Hop là, attendez, je prends mon gilet. Les spaghettis. J'ai même pas encore porté mes chaussures. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Vous allez bien? Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Partagez. En fait, j'ai fini de travailler mon boulot de la matinée. Et là, j'attends les hommes qui sont partis au ski. Donc, partagez, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous ce matin? Est-ce que tout va bien? Attendez, je prends une chaise pour que je puisse m'asseoir quand même, hein. Bonjour, comment allez-vous? Vous allez bien? Partagez alors. Partagez, ça va être rapide. Coucou mes amours. Bonjour. Mais non, je skie pas mes chéris. Je me suis fait mal. Je vous ai dit, je me suis fait mal au genou. En fait, je me suis fait mal au genou et je laisse les hommes aller skier. Moi, je reste à travailler à l'hôtel tranquillement. Attendez, je vous montre. Je suis. Eux, ils sont partis skier en montagne là-bas, loin, loin, loin. Et moi, je reste tranquille à bosser. C'est pour ça. Non, je ne peux pas aller. En fait, je me préserve pour le 10 février. Parce que si je pars là-bas et je me casse, je me fais encore mal, comment je vais faire pour le 10 février? Donc, je ne peux pas prendre le risque. Donc, je préfère rester tranquille. Comme ça, je suis sûre de vous voir le 10 février à Paris. Je me préserve pour vous. D'accord. Alors, nous allons parler du manipulateur. Le manipulateur. Aujourd'hui, j'ai le temps. Hier, je n'avais pas beaucoup de temps. Et vous savez que comme les hommes sont partis à la montagne, moi, je suis seule. Comme ça, je peux faire mes lives. Je peux faire des lives. Le manipulateur. Coucou Maria, ma petite sœur. Tu vas bien? Tu vas bien, j'espère. Bon. Attendez, je trouve le nom de l'organisme d'escroquerie que le manipulateur. Vous allez peut-être, il y a peut-être des gens qui sont tombés dans le panneau de ce manipulateur et qui se sont fait escroquer. Attendez, je vais vous donner le nom là tout de suite. Cette. Jetez-moi tranquille, comme d'habitude, chez moi. Un week-end. Le manipulateur m'appelle. Il m'envoie d'abord comme il m'envoie d'abord de la documentation me disant, tiens super Amélie, il y a un truc extraordinaire, ça peut te faire gagner des voyages, toi qui voyages beaucoup.
Ça va te permettre de d'avoir des hôtels à moindre coût, etc. et tout. Je lui dis, ah bon? C'est quoi cette organisation qui peut me permettre d'avoir des hôtels pas chers? Il me dit, écoute, moi, je me suis déjà inscrite avec ma femme. Il me dit, je me suis déjà inscrite avec ma femme. Et comme tu sais, nous aussi, on est souvent dans, on voyage souvent. Et maintenant, quand on va voyager, cette organisation va nous permettre de d'avoir des hôtels de luxe à un prix défiant toute concurrence. Je dis, ah bon? Ça dit comme ça, n'est-ce pas? Ça intéresse beaucoup de gens, n'est-ce pas? Voilà. Parce que quand tu dis comme ça, que c'est quelque chose qui va te permettre d'avoir de superbes hôtels à moindre coût, tu te dis, c'est génial. C'est génial. Donc, peut-être beaucoup de gens vont se reconnaître dans cette arnaque-là, pardon. Biper tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà donné leur carte bleue là-bas, oh, que je vous dis ça tout de suite. Moi, j'ai refusé de donner ma carte bleue. Mais il y en a certainement dans des pétés chiottes là-bas qui ont déjà donné leur carte bleue et qu'on prélève déjà l'argent là-bas. Pardon, venez. Parce que j'aime moi mon cousin qui s'est fait avoir. Moi, il n'a pas réussi à m'avoir et ils ont réussi à avoir mon cousin qui est dans l'Onda Bikoko. Et c'est une escroquerie qui se fait au sein. C'est-à-dire que ce n'est pas l'Onda Bikoko qui fait ça, hein. Ce sont des membres de l'Onda Bikoko qui profitent de cette organisation l'Onda Bikoko pour faire des coups foireux sur le dos du chef l'Onda Bikoko. Donc, bipez-moi l'Onda Bikoko ici, là. Oui. Et moi, c'est le manipulateur qui m'a contacté. Avec notre mari, la régie. C'est que Marie, la régie, elle n'est pas loin, hein. Elle est toujours à côté. À côté, pardon, partagez vite. Il y en a qui sont déjà dans le truc et ils ne savent pas que c'est une escroquerie de grande envergure. Oui. Bipez-moi les avocats et les avocates du manipulateur patenté. Dites-leur que je suis en live. J'ai dit qu'en 2024, je m'assois sur camarade. Oui. Je vais, à chaque fois que j'ai le temps, comme là aujourd'hui, les garçons sont au ski, je m'ennuie, j'ai fini mon travail, donc là j'ai le temps. Le temps que j'ai là, je vais alors vous expliquer l'escroquerie mondiale. Parce que, camarade, camarades, ils ciblent les potentiels, c'est-à-dire que les proies potentielles autour de lui pour voir quelle est l'escroquerie qui est adaptée à telle ou telle personne. Et moi, il a voulu me mettre dans cette escroquerie que je vais vous raconter tout de suite. Un jour, donc il m'envoie les documents. Cette organisation s'appelle, attendez, vous allez aller taper ça après, hein, sur Google. Comme ça, vous allez trouver ça là-bas. Je viens même de discuter avec un de mes cousins qui s'est fait arnaquer. Qui s'est fait arnaquer. Donc, qui m'a encore donné toutes les informations de A à Z par rapport à cette escroquerie. Je viens parler de ça parce que c'est une escroquerie. Et c'est, comment dire, le manipulateur qui est devant. Parce que moi, il m'a contacté et il voulait me mettre dedans. J'ai refusé. Il voulait. Je vous dis que la haine du manipulateur, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Oh. C'est qu'à chaque fois qu'il veut me mettre dans un truc, je refusais. J'ai refusé de rentrer dans les pétés chiottes. J'ai refusé de rentrer dans les yebimal. J'ai refusé de rentrer dans son truc d'escroquerie où il a déjà introduit beaucoup de gens dedans. Donc, je vais vous en parler pour que chacun, si vous êtes déjà dedans, pour que vous sortez vite. Parce que vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. J'arrive. Je suis donc un. Si, c'est le tata. Je suis donc un dimanche matin chez moi. Alors que j'étais en mauvais terme avec
J'étais déjà en mauvais terme avec eux par rapport à tous ces forfaits qui me faisaient effacer mes vidéos après notre partenariat, toutes ces choses-là et tout. Donc, je les avais un peu mis de côté. Je me suis dit, ces gens-là m'ont dit, coucou, mon diamant bleu, ouais, diamant bleu comme mon chapeau. Coucou, ma chérie, j'espère qu'on va se voir. On va se voir. De toute façon, ta chambre est déjà réservée à l'hôtel Napoléon. Champs-Élysées. Je t'ai pris la plus belle chambre parce que tu mérites, tu es un diamant. Donc, il faut que je te chouchoute. Tu le mérites. C'est comme ça. Donc, merci beaucoup. D'abord, avant de vous parler de l'escroquerie du manipulateur, je voulais d'abord vous dire que pendant ce sabotage qui a duré, qui continue encore actuellement sur les réseaux sociaux, sur ma personne et sur mes entreprises, nous avons rentré 12 distributeurs, 12 personnes qui ont, pendant le sabotage, qui ont intégré le réseau de distribution de la marque Glutalaine. Tout ça pour vous dire que nous, le sabotage nous fait du bien. Donc, n'arrêtez pas, hein. Non, non, vous allez seulement continuer à saboter parce que ça me fait du bien. Mais ceux qui se sont amusés à saboter mon entreprise, à prononcer le nom de mon entreprise, à prononcer le nom de ma marque dans un cadre de sabotage, leur plainte est en téléchargement rapide. Dès la semaine prochaine, ils vont avoir de mes nouvelles. Voilà, c'est tout. Donc, continuez à saboter, nous on travaille. Parce que quand vous sabotez, là, vous ramenez du monde, ils arrivent sur ma page, ils trouvent un discours convaincant, ils adhèrent. Voilà, c'est ça. Donc, n'arrêtez surtout pas de continuer, nous on aime ça. Je vous disais donc que le manipulateur, après un temps mort entre eux, que j'ai mis par rapport à leurs différents coups bas qu'ils m'ont fait, un jour, je reçois un message. Bonjour Amélie, j'espère que tu vas bien, j'ai quelque chose à te proposer, est-ce que tu es disponible, etc. Parce que pour vous dire que ça faisait un moment que je l'avais bloqué, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas m'avoir en direct. Quand il m'appelait, il tombait directement dans ma messagerie et il me laissait des messages, j'écoutais le message et comme ça, moi, je pouvais le rappeler. C'est comme ça que lui et on fonctionnait. Voilà. C'était pour éviter justement les quiproquos. Bien. Je dis, ah, il a quelque chose à m'expliquer, etc. Bon, très bien. Je le rappelle. Donc, il m'explique que ils étaient à une réunion d'un bicoco à Genève. Je pense que c'était à Genève. Et que à Genève, ils ont rencontré une maman et une fille qui leur a parlé d'un organisme qui non seulement leur permet de gagner de l'argent, mais en plus, ça leur permet d'avoir des réductions extraordinaires des palaces du monde entier. C'est-à-dire que si, par exemple, tu prends une chambre dans des palaces à 400, 500 euros, eux pouvaient l'avoir à 60 euros ou même 40 euros, des choses comme ça. Il me dit vraiment, c'est génial. Moi, je me suis déjà inscrit. Ma femme aussi. Tu vois, comme on voyage souvent à Paris et tout ça, ça va nous permettre d'être dans des superbes hôtels à moindre coût. Bon, je me dis, mais pourquoi pas? Je me dis, mais pourquoi pas? Bon, je lui dis, écoute, tu sais que moi, je suis, quand ça concerne l'argent, quand c'est l'argent, ce qu'il faut faire, quand c'est des histoires d'argent, etc., moi, j'aime voir les papiers. Je ne suis pas le genre que je sors mon argent comme ça. Je travaille trop dur pour sortir de l'argent pour rien. Non. Autant je suis généreuse, vous avez vu quand j'étais avec eux, et eux, ils pensaient qu'ils m'escroquaient alors que moi, je faisais ça en amusant les pauvres, pauvres gens. C'est pas grave, je paye ou je donne, c'était pas très grave. Mais quand même, là, je me dis, c'est une organisation. Une organisation. Une organisation qui nous permettrait d'avoir autant d'avantages, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il me dit, écoute, ce qu'on peut faire, je vais organiser une réunion Zoom. Ah bon?
Il me dit, je vais organiser une réunion Zoom. Il me dit, je vais te mettre dans la réunion Zoom et je vais mettre la loxée. Je vous rappelle que la loxée est toujours dans les coups bas du manipulateur. La loxée. Dans les pétés chiottes, c'est la loxée qui est la trésorière. Dans les escroqueries comme ça, la loxée est toujours là. Ce n'est pas pour rien que vous la voyez tout le temps avec, parce qu'elle est dans les coups bas de ces gens-là. La loxée. Non, la loxée. Bon, si mon homme arrive là, je vais couper le live. Hein, donc, profitez de ce que je suis en train de dire vite. S'il arrive là, je coupe le live. Donc, la loxée. Il me dit, je vais mettre la loxée dans le Zoom en question. Et la femme qui fait partie de Ndab Bikoko et sa fille qui vit à Londres seront aussi dans le Zoom. OK. L'heure du Zoom arrive. Je rentre, ils me mettent dans le Zoom. Ils commencent à m'expliquer que c'est l'organisation s'appelle, attendez, je vous donne le nom. Ça s'appelle MWR Live. MWR Live. Ça s'appelle, allez taper sur Google, oh, MWR Live. Ils nous expliquent en Zoom que avec la loxée. Non, avant le Zoom, il me met d'abord en groupe la loxée et moi et lui. Il nous explique le principe. Il nous explique que le principe de MWR Live, c'est quoi? C'est que tu dois ramener 4 personnes par mois. Tu dois inscrire 4 personnes par mois dans MWR Live. Tu dois inscrire 4 personnes par mois. Chaque personne doit payer 290 euros. Mais je dis, hein, le manipulateur là a quelque chose avec les 200. PTT, 270 euros. MWR Live, 290 euros. Maman, la richesse de ça, vite fait. Il explique que tu dois ramener 4 personnes. Donc, il s'est dit que moi, je suis commerçante, non? Que je vais, c'est plus facile pour moi de récupérer mes clientes pour l'amener dans ces escroqueries, non? Vous allez comprendre d'où vient la haine et ce que ce type n'a pas réussi à avoir derrière mes fesses. Vous allez comprendre ça aujourd'hui. Il dit que, en fait, tu dois inscrire 4 personnes. Le premier mois. Tu dois inscrire 4 personnes. Chaque personne doit payer 290 euros. 4 personnes. Et dès que tu rentres les 4 personnes, il faut que chaque personne aussi ramène 4 autres personnes. Donc, en fait, ça va faire boule de neige. Donc, chaque personne qui vient dans ta branche d'inscription te ramène de l'argent. D'accord? Donc, tu te retrouves en train de gagner par mois les 300 000, les 300 euros, les 400 euros par rapport à ton haut dynamisme de ta chaîne de récupération des 290 euros. Ouais. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez ce que je dis? Je ramène 4 personnes. Chaque personne paye 400 dans ce système. Attendez, je vous dis le nom. MWR Live. Tu dois ramener 4 personnes. Chaque personne paye, doit s'inscrire. Et pour que les personnes s'inscrivent, la personne doit te donner sa carte bleue, son numéro de carte bleue, la date d'expiration et le code de confirmation. Ça veut dire que tu dois récupérer les informations des cartes bleues de tes 4 adhérents. Hey, maman, oh! Quand il a dit ça, hein, c'est là où j'ai dit ça, c'est non. Il est hors de question. Dès qu'il a dit ça, j'ai seulement dit que ça, jamais, tu mens. Ça ne passera jamais par moi. Hein? Ça dit que tu prends 4 personnes autour de toi. Il me dit même que toi, comme tu es commerçant, c'est plus facile. Tes glutton lovers, c'est plus facile de les amener dans le truc et tout. Comme ça, tu prends celle avec qui tu t'entends bien autour de toi. 4, 290 euros, les 4. Et les 4, pour que c'est toi qui dois les inscrire. Et comme c'est lui qui nous a menés dans le truc, et c'est à lui qu'il fallait qu'on donne nos coordonnées de carte bleue. Écoutez.
c'est lui qui nous a amené dans le système MWR Live avec la Lorcée, puisqu'elle faisait partie de la discussion ce jour-là. Il fallait qu'on lui donne à lui les informations des cartes bleues de nos quatre adhérents qu'on aurait trouvés autour de nous. Et il disait qu'il fallait qu'on commence par les gens les plus proches, avec lesquels on s'entend. Quand j'ai vu ça, j'ai dit quoi? Je vais aller dire à une personne ou à ma soeur ou à n'importe qui, donne-moi les informations de tes cartes bleues. Je vais donner ça là-bas au manipulateur, à camarade, pour que c'est lui qui aille nous inscrire dans un système dont on ne maîtrise pas les attenants ni les aboutissants. Je lui dis alors que, mais attends, tu dis alors que non seulement on doit te donner les coordonnées des gens qu'on recrute pour toi, mais en plus de ça, et ces quatre personnes, eux aussi, ont l'obligation, dans le mois d'inscription, de trouver quatre autres personnes. Une obligation. Et si tu ne ramènes pas les quatre personnes dans le mois d'inscription, ils commencent à te prélever sur ton compte bancaire 125 euros. Je viens d'avoir un de mes cousins à Paris qui s'est fait avoir. C'est pour cela que j'ai décidé d'en parler aujourd'hui. J'ai un de mes cousins qui vient de ce qui s'est fait avoir. Il est à Paris. Il m'a appelé tout à l'heure en pleurant. Il me dit que... il me dit que... qu'il a même fermé le compte bancaire dans lequel on lui prélevait les 128 euros ou 125 euros parce qu'il n'avait pas réussi à ramener du monde. C'est que ils te mettent la pression. Si tu ne ramènes pas les quatre personnes, hein, et que ta chaîne, la chaîne des quatre personnes, les quatre personnes ne ramènent pas les quatre personnes, ils te commencent à te prélever 128 euros. Donc, ils te donnent, quand tu ramènes les quatre premières personnes, ils te donnent 6 mois de répit. Ce n'est que pendant 6 mois là, ils te laissent tranquille. Au bout de 6 mois, si ta chaîne n'a pas évolué, ils commencent à te prélever les 128 euros. C'est un système qui s'appelle MWR Live. Le jour où j'étais en conférence avec lui et la Lorcée, où il voulait me mettre dedans, parce qu'il a ciblé que, oh, il faut que je prenne les clientes. Vous voyez comment quelqu'un voulait me mettre dans les problèmes. Il voulait me mettre dans les problèmes et vous connaissez ma droiture dans ces choses-là. Je ne suis pas là-dedans. Moi, quand ça concerne l'argent, quand ça concerne les cartes bleues, quand ça concerne les choses, moi, j'aime quand c'est carré. Je ne suis pas dans les choses que tordues à gauche, tordues à droite. Tu me donnes, je vérifie. Si je vérifie, je vois que c'est bon, il n'y a pas de problème. Si ce n'est pas bon, je te dis que non, moi, je ne suis pas là-dedans. Donc, j'ai dit que non, moi, je ne suis pas là-dedans. Donc, je n'ai pas adhéré à son truc. Mon cousin qui est dans la région parisienne a adhéré avec l'une des femmes qui est dans le Ndabikoko et qui était à Genève et dont sa fille est en Hollande. Mm-hmm. Parce que sa camarade a pris ce truc-là, on l'a mis dedans quand il était à Genève, dans le Ndabikoko de Genève. Donc c'est une organisation qui sont en train de faire derrière le chef Ndabikoko pour faire tomber le chef Ndabikoko. Donc je dis alors à chef Ndabikoko que voici les malfrats qui rentrent dans le Ndabikoko, qui commencent à faire des escroqueries de grande envergure derrière ton dos. Pour que quand les problèmes vont commencer, ils vont dire que ça a commencé en Ndabikoko là-bas. Alors que toi-même le chef, tu n'es pas au courant. Je dis alors que, camarade, il voulait me mettre dedans en me disant qu'il faut que je prenne les gens autour de moi pour les mettre dans son escroquerie et que je prenne les cartes bleues. Parce que tu ne peux, en fait, c'est quand tu es déjà parrain. En fait, c'est du parrainage à parrainage. Comme lui, il était déjà rentré dedans par le biais de cette femme qui est dans la région parisienne et de sa fille qui est en Hollande. Il fallait donc qu'il retrouve les recrues. Lui, camarade, vous savez que lui, dès qu'il y a une histoire d'escroquerie, il est devant. Puisqu'il faut qu'il gagne l'argent vite, vite, vite. Il faut envoyer les enfants à l'école. Il faut mettre l'argent de côté pour prévenir les écoles des enfants, non? Voilà. Donc, l'idée de prendre les cartes bleues des gens
tu prends le code, tu prends la date d'expiration, tu prends le numéro de la carte bleue, tu donnes tout ça à camarade. Et c'est camarade qui inscrit les quatre personnes que tu as ramenées. Seigneur Jésus. Ça dit que hein, le principe, c'est quoi? Si j'avais accepté ces conneries-là, je lui aurais donné ma carte bleue, le numéro, la date d'expiration et le code de confirmation. Il aurait eu ça dans ses mains. Imaginez-vous, camarade, le manipulateur, l'escroc, avec les coordonnées bancaires des gens dans ses mains. Je vous laisse là. Imaginez la suite. Surtout moi, là, comme ça, là. Je lui donne ça, j'étais foutue. Je me suis dit, regarde-moi l'autre là. Il pense que je suis un enfant, je vais prendre mes coordonnées bancaires, je lui donne qu'il est qui. Mais je dis que l'Orsay était là-dedans, la l'Orsay. Elle était, parce qu'elle est dans les coups, tous les coups qu'ils font, la l'Orsay est là. Trésorière des PTT, c'est la l'Orsay. Elle est toujours dans les coups avec le manipulateur. Donc, si j'avais donné mes cartes bleues au manipulateur, il m'aurait inscrit et gardé mes cartes bleues. Je lui aurais ramené quatre personnes. J'aurais demandé à ces quatre personnes de me donner leur carte bleue. Numéro, date d'expiration et code de confirmation. J'aurais passé ces coordonnées de mes clientes à camarades escrocs. Il allait faire quoi avec ces... Hein? Outre le fait que tu donnes des informations personnelles aux gens, mais également, si tu ne rapportes pas au bout de 6 mois, si tu as tes quatre personnes au bout de 6 mois, c'est bon. Ils te laissent tranquille pendant 6 mois. Mais tu dois toujours continuer à chercher les gens. Et si tu ne ramènes pas assez de gens, au bout de 6 mois, ils commencent à te prélever 125 euros. 125 euros. Attendez, j'appelle mon cousin. Attendez, attendez. Attendez, je l'appelle tout de suite. Coucou Manke. Pardon, il faut que tu m'expliques cette histoire d'escroquerie, de MV, machin, machin, là. Ils t'ont prélevé combien, tu m'as dit? Tu as fait 4 ou 5 mois et ils t'ont prélevé combien? Ils te prélevaient 115 euros. Et pour qu'ils te prélèvent comme ça, tu as dû leur donner tes coordonnées bancaires, non? Tu t'inscris avec tes coordonnées bancaires? Oui. Massa. En fait, comment ça se passe? Ils ne prennent pas les espèces. Tu ne peux pas. Parce que tu t'inscris en donnant 200, je crois, environ 200, je crois c'est 270 ou 80. Bon, bref. Cette somme-là est prélevée directement de ton compte au moment de l'inscription. D'accord. Et pour qu'on prélève ça, il faut que tu donnes ta carte bleue. D'accord. Donc, tu es obligé de te donner ton numéro de carte bleue, la date d'expiration et le code. Toute ton identité, tu donnes là-dedans. D'accord. Donc, ça veut quand même dire qu'on peut donner des informations personnelles aux gens qu'on ne connaît pas et que ça peut nous arriver beaucoup de choses derrière. Mais bien sûr, puisque quand tu veux inscrire une personne, si moi je voulais t'inscrire, par exemple, pour faire simple, pour que tu comprennes mieux, si moi je veux t'inscrire, je te parle du bidule et tout ça. Tu es d'accord? OK. Ok, j'ouvre ma page, Oui. je clique là où inscription, un truc comme ça, j'ai oublié comment ça se passait, mais bon, j'ai encore la méthode un peu. Oui. Inscription, j'amène une personne, voilà, j'écris Amélie, Ngonanga et tout Hein? ça, machin. Ouais. Tu donnes ta date de naissance, né, tant, 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 T'entends? tu donnes ton adresse et tout ça, machin. Après, on arrive au niveau de la carte bancaire. Oui. Parce que c'est la carte bancaire leur permet déjà d'effectuer de valider l'inscription.
Non, les 290 euros, ils prélèvent directement. Il peut... Non, oui, ma question D'accord? c'est de savoir, hein, quand tu ramènes Oui. les quatre personnes qu'ils te demandent au début là, est-ce que c'est toi le parrain, toi qui as parrainé les quatre personnes, tu es obligé de demander ces informations bancaires, c'est-à-dire le numéro de carte bleue. Comme j'ai fait pour toi, c'est comme ça que je ferai pour les autres. Et c'est comme ça, toi aussi, de fil à aiguille, tu feras pour les autres. Et les autres feront aussi pour les autres. Et les autres feront ainsi de suite. Donc, ça veut dire que cette organisation accumule les informations bancaires des gens, alors que ce sont des informations qui sont sensibles et qui sont confidentielles. Mais c'est... Comment je peux te dire ça? C'est comme... comment on appelle ça? Comment je peux... J'ai oublié l'expression. C'est comme un truc de réseau, tu vois? C'est C'est un comme truc une de réseau. pyramide. Mais là où c'est grave, c'est que on est obligé de donner aux parrains les informations bancaires qui sont sensibles. Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, toi, tu me donnes... Donc, je dis maintenant, j'écris ton identité. Regarde, Après, attends, maintenant, attends. Si par exemple, faut si par... effectuer le paiement. Attends. Pour Si... effectuer le paiement, je te demande le Attends. numéro de ta carte. Oui. Tu me Si... donnes le numéro de ta carte. Je Oui. mets la date d'expiration. Tu me donnes la date d'expiration. Je mets les trois numéros derrière là-bas. Tu me donnes. Je mets. C'est-à-dire, je mets, j'ai tout. Tu as tout, Tu valides. tu Après, on valides. te prélève après, on te prélève 200, 200, c'est pas combien d'euros. Ok. Donc, on est d'accord que, et donc, non seulement tu donnes tes coordonnées bancaires, mais en plus de ça, si tu ne ramènes pas, au bout de combien de temps, si tu ne ramènes pas des gens supplémentaires, on commence à te prélever les 115 euros ou 120 euros là. Non, regarde, si moi je me suis inscrit, Oui. quand je me suis inscrit, puisque quand tu as plus tu ramènes des gens, Oui. plus tu gagnes aussi de l'argent. C'est ça le business. Oui. Bon, donc moi, on m'a fait inscrire. À moi maintenant de ramener du monde aussi. Parce que si je n'inscris pas, si je n'amène personne, Oui. parce que la base c'est ça. Oui. Tu commences d'abord par toi, tu t'inscris. Oui. Donc, une fois que tu es inscrit, Oui. maintenant, il faut que tu commences à travailler pour ramener du monde. Mais oui. Donc, il te faut quatre personnes. Oui. Donc, Dans le dans les mois. quatre personnes-là, Quatre tu viens, tu personnes dans fais... le mois, hein. Dans le mois. Quel est le délai pour ramener les quatre personnes? Parce que moi, on m'avait dit que dans le mois, hein. Le manipulateur là m'avait dit qu'il faut que les quatre personnes dans le mois pour C'est un mois. bénéficier. C'est un mois, C'est un non? mois. Oui. Vous voyez que Un je ne manque mois. pas. Donc, je m'inscris. Donc, dès que je m'inscris là, paf, je t'appelle. Je te parle du business. Tu fais aussi comme on m'a fait. Donc, ça veut dire que tu me donnes tes coordonnées bancaires. Voilà. Je t'inscris. Oui. Comme je t'ai inscrit, je ne m'arrête pas là. Entre-temps, toi aussi, tu as l'obligation d'aller chercher quelqu'un, puisque tu es déjà dans le réseau. Bien sûr. Donc, toi aussi, tu vas chercher des gens. Pendant que moi, je continue à chercher, parce que j'ai déjà une personne, toi. Ben, il me reste trois. Je vais chercher une troisième personne, une quatrième. Je demande toujours les informations bancaires, l'identité, tout ça. Voilà. J'enregistre. Voilà. Donc, mais du coup alors... Tu peux te retrouver que tu as les numéros des cartes bancaires des gens et tout ça là. Donc, moi, c'est l'inconvénient que j'ai trouvé dans ce truc-là. Mais ce n'est juste pas normal d'avoir les coordonnées bancaires des gens. Ouais. Ce n'est pas normal. Et mais comment ça se fait-il Ils alors auraient que... pu encore faire. C'est-à-dire, on te fait partager une page qui toi à toi maintenant de t'inscrire ou pas. C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire, on t'inscrit en mettant peut-être ton nom et ton mail, et à partir de ton mail, on t'envoie un lien. Et c'est toi qui t'inscris là-bas avec ce lien-là. Voilà. Je dis que Mais moi, la c'est pas comme personne qui ça. m'avait contacté m'avait dit qu'il faut que je donne mes coordonnées bancaires au... Mais c'est ça, faut donner. Il m'avait dit de donner mes coordonnées bancaires au...
Et que voilà, et que je trouve quatre personnes, et que les quatre personnes, et ils te font miroiter que quand tu trouves quatre personnes, tu vas gagner beaucoup d'argent au fur et à mesure. Moi, Toi, j'ai tu as trouvé gagné mon. quoi? Tu as gagné quoi dedans? Je suis monté et je crois à Silver. Silver. Et Silver, j'ai gagné. Je crois 200 euros. Un truc comme ça. Silver, tu as gagné Donc, 200 euros. attends, j'ai gagné 200 euros. Hein? Je me suis inscrit en août. Non, en juin. Et quand j'ai atteint la barre de 4 personnes, ils ne m'ont pas prélevé. Mais par contre, avant les 200 euros là, on me prélevait tous les mois 115 euros. Donc, ce qui fait que Attends, 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 on va prélever ça. Et je dis, mais c'est pas possible ce truc. Je comprends pas pourquoi on me prélève autant. Et ça te donne donc, et ça te donne, ça te met la pression. Tu vas faire attends, quoi? attends. Il y a un truc que tu as loupé. Attends, attends, attends. En Ouais. fait, ils ont commencé à te prélever, c'est parce que tu n'avais pas encore tes quatre personnes là, c'est ça? Mais quand t'as personne, on te prélève, c'est normal. Parce que c'est le réseau. Parce qu'en fait, toi, tu handicapes tout le réseau. Donc, tant que tu n'as pas tes quatre personnes, ils te prélèvent les 120, 20, les Même si 115, tu 20 euros handicapes, là, en attendant que tu aies tes quatre personnes. non, il faut Pardon, comprendre explique des bien, choses. explique Avant de bien. faire un Oh. prélèvement, il y a un truc que tu dois comprendre. Il y a des étapes que tu dois pas. Il faut bien comprendre le truc là. Explique. Même après avoir atteint même les 4 personnes, tu n'es pas exempt de tout prélèvement, Amélie. Ah ouais? Non! C'est-à-dire, il y a les stades de. Comment je peux appeler ça? Ce n'est pas les stades de développement. Ce n'est pas le mot que je voulais utiliser. Une promotion, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire, 4 personnes, c'est la première promotion où tu atteins le stade qu'on appelle Silver. Et après Silver, il te faut encore, je crois, 4 personnes encore pour que tu atteignes Encore un autre un autre niveau. niveau. Mais tant que tu n'as pas encore atteint le niveau là, tout le monde te Ils prélève. te prélèvent quand même. Alors qu'ils t'ont fait Oui. miroiter que dès que tu as les quatre personnes, tu commences à gagner un peu d'argent. Non, parce que ma boîte te dit niveau. On t'explique pas ça au départ. On t'explique pas ça au départ. C'est une fois dedans que tu te dis, mais c'est pas possible, je ne vais jamais atteindre là-haut. Ça te Niveaux. met la Donc à pression, chaque tu fois vas ils te chercher mettent la les. pression pour que tu atteignes le niveau supérieur. Tant que tu n'as pas atteint le niveau supérieur, ils te prélèvent. J'ai regardé l'appel, là, je suis sorti. Du coup, toi, tu as perdu de l'argent en fait. Non, ben moi, j'ai perdu. Tu as perdu l'argent? J'ai perdu, pourquoi? Parce que Tu as perdu? ils m'ont prélevé 115 euros ou 125 euros, je sais plus exactement, mais ils m'ont prélevé au moins 4 ou 5 fois. Donc, ils m'ont pris presque 500 euros. Ça, c'est juste les prélèvements. Maintenant, sans compter l'argent que j'ai donné pour mon inscription, 200 et quelques. Donc, je suis à 700 ou 800 euros, on va conclure. Massa. Alors, les 6 mois ou 7 mois que j'ai fait là-dedans, je n'ai pas gagné 300 euros. Mais non. En plus du fait qu'ils ont les numéros de tes cartes bleues, tu as fermé ton compte là. Quand tu es sorti. Non, je suis allé à la banque me plaindre. La banque m'a dit de changer juste la carte. Parce que les prélèvements se font à partir du numéro de la De carte. la J'ai changé carte. la carte. Donc tu étais obligé, Et parce que si tu ne changeais pas de carte bleue, ils allaient continuer à te prélever jusqu'à aujourd'hui. bien sûr. Massa. Je cherche et en plus pour te déconnecter de ces trucs-là. Yes. C'est Je toute une cherche histoire. comment faire pour sortir de là et tout ça, machin. Après, je tombe sur un mail, non pas un mail, je tombe sur une explication, je crois comme ça, je fouillais beaucoup sur YouTube. Mais oui. Je tombe sur quelqu'un qui dit non, vous pouvez envoyer un mail. Après, j'ai envoyé.
avant même d'envoyer le mail là, je suis allé changer mon truc. Tu as changé ta carte bleue pour être tranquille. Moi, depuis, je suis tranquille. Dans l'être. Tu vois alors? Tu vois comment? Hey, Massa. Tu vois que j'avais eu la présence d'esprit de t'appeler, non? J'avais eu la présence d'esprit de t'appeler pour te dire que c'est quoi cette Non, à histoire-là. l'époque où on te sollicitait, à l'époque où on te sollicitait, Oui. Que le manipulateur camarade me me souviens que sollicitait tu pour cette m'avais, escroquerie me souviens que tu m'avais d'envergure. appelé, Hein? mais me souviens que tu m'avais appelé pour me demander comment ça Mais se passe, pour que je t'en parle un peu. Je t'ai même dit, mais comment toi tu vas t'aligner chez lui? Et viens chez moi, Mais viens oui, habiter puisque tu chez es moi. mon cousin. Mon cousin m'a sauvé, oh. Il m'a dit, mais comment tu peux aller t'aligner chez camarade là-bas? Même s'il fallait que tu t'alignes chez quelqu'un, il faudrait que tu viennes chez moi puisque moi je te connais, tu es la famille. Mais il m'a dit que ne pars pas là-bas, oh. On va te demander tes cartes bleues. Je n'ai pas envie que tu mettes tes cartes bleues là-bas. Le voilà. Donc tu n'es pas venu chez moi et après moi j'ai continué à appeler les amis. En fait, ce truc-là, tu m'envoies des problèmes avec ton environnement le plus Qu'est-ce proche. que je t'ai Parce que dit? c'est ton environnement le plus proche que tu ramènes Je là-dedans. t'ai dit que si tu ramènes tes gens et que les gens ne gagnent pas l'argent comme ils te disent, là, tu vas avoir les problèmes puisque c'est toi qui inscris tes gens autour de toi dans cette histoire. C'est ce que camarade, manipulateur, escroc voulait me faire. Il voulait que je ramène J'ai inscrit une amie. On est très proches. avec l'Orsay, avec la L'Orsay, ses accomplices dans les escroqueries, pardon. Oui, vas-y. J'inscris mon amie. Elle n'arrive pas. Elle en parle à sa sœur. Sa sœur, elle est un peu hésitante et ne s'inscrit pas. Elle en parle à une autre. Et une autre lui dit non, mais il y a quelqu'un d'autre qui m'en a parlé. Et tout ça marche entre-temps. Tous les mois, elle a les prélèvements. Je dis, Je te Manke, raconte. je dis, hein. Elle m'appelait ici. J'étais mal, en fait. Mais oui, imaginez vous vous embarquez des gens de votre famille dans une escroquerie comme ce que camarade, manipulateur, escroc voulait me faire. J'embarque mes amis dedans, j'embarque ma famille dedans. Je serais comme mon frère qui est en train de parler au téléphone. Mes amis allaient faire comment avec moi, puisque c'est moi qui les aurais embarqués là-dedans. C'est exactement la même chose qu'il fait avec les pétés Bon, chiottes. après tu peux véritablement gagner si tu ramènes du monde. C'est ça le but. Mais si tu ne ramènes pas du monde, tu te fais prélever tout le mois. Tu vas ramener du monde comment? Toi, tu es capable de ramener. C'est un truc. Moi, Merde. je croyais que quand on m'avait expliqué ça, Hein? Moi, sincèrement, la dame qui m'a expliqué ce truc-là, elle m'avait mis dans sa gueule. Non, c'est Pour moi. l'arnaque. Maman, Parce dis-le, c'est que l'arnaque. elle m'a appelé tôt le matin, elle m'a harcelé pendant au moins 2 heures de communication. Et comme je la connaissais, je dis d'accord. Elle ne me dit pas que tant que je n'ai pas ramené les 4 personnes, je ne serai pas prélevé. Elle me présente juste la face. Positive où tu gagnes de l'argent, plus tu ramènes du monde, plus tu en Ce que gagneras, camarade m'a plus. dit. Sauf que. Camarade m'a dit, on va gagner vraiment beaucoup d'argent, on va voyager dans des super hôtels, on va ceci, cela. Il a trouvé en moi sa mougou numéro un, qui voulait que je donne ma carte bleue. Maman, si j'avais donné ma carte bleue au voleur, manipulateur, escroc de camarade, je serais. Heureusement que tu m'as sauvé la vie, mon frère. Moi, je t'avais dit. Bon, le problème, après maintenant. Après maintenant, comment je veux dire ça? Les quelques années d'études que j'ai pu faire quand même m'ont amené à réfléchir. Parce que C'est ce que je t'avais dit. si tu prends ma carte, je te donne les coordonnées. Mais quand Tu même, peux faire de mes coordonnées, ce par exemple, tout ce que que tu veux. C'est-à-dire à souhait, tu peux utiliser à souhait. Donc c'est une question de confiance, mais on va faire confiance aux gens jusqu'à jusqu'à quel surtout, niveau? Le curseur, tu le mets où? mon frère, tu prends ta carte bleue comme attendez, attendez, attendez 2 secondes, attendez, attends, pardon.
Attends, parce que on parle là, on Ouais. parle que. Imagine-toi, moi je me dis que c'est. Attendez. Moi je me dis que c'est pour le boulot, n'est-ce pas? Parce que en général, quand je voyage, c'est pour le travail. Quand je voyage, souvent c'est pour le travail. Je prends ma carte bleue là, comme celle-là. Je la prends, hein? Je la prends, je donne les coordonnées. À camarades, manipulateurs, escrocs. Maman, une carte bleue comme celle-ci là. Hein? Je lui donne la carte bleue. Maman, tout, juste au code. C'est que ta vie est foutue. Ta vie est foutue. Je Tu vais te fais dire, comment? un truc. Quand j'ai fait ça à mon ami là, il dit juste, elle me donne. Elle était même dehors. Et je voulais pas à tout prix qu'elle s'inscrive. Elle est allée juste me donner son mail. Ou que j'entre dans son mail, j'ouvre parce qu'elle me dit que lui, elle ne sait pas faire ça et tout ça. Elle me donne son mail, elle me donne le code, j'entre dans son mail, je sors des trucs, je lui télécharge des... Il y a trop de procès. Je crois que c'est un truc à faire seulement avec des gens que tu portes dans ton cœur. Même toi, là, je te porte dans Chaque mon chose cœur. a une Est-ce que je limite, t'ai dit que chaque chose a une limite, hein. On ne peut pas quand. Non! s'ouvrir Tu comme penses que ça. toi, même à toi, je peux donner. Quand je t'ai appelé, quand un Ouais. camarade m'a appelé pour me mettre dans ces conneries-là, et que je t'ai appelé, je t'ai dit que moi, cette histoire-là, vous mentez, je ne suis pas là-dedans, allez loin là, avec vos conneries. Toi-même, tu m'as dit que ma soeur ne fait pas. Tu m'as dit que même s'il fallait que tu fasses, il faut que tu viennes chez moi. J'ai dit que même chez toi, je ne viens pas. Parce que cette histoire-là me C'est une semblait question, trop. c'est tellement une question. Mince! Mais Amélie, et voilà, tu donnes toutes tes coordonnées pour qu'on puisse effectuer le prélèvement. Tu prends On a besoin ta de toutes tes carte coordonnées. bleue. Ta carte bleue Et comme tu donnes ça. tes coordonnées là au Tu téléphone donnes à une personne. le numéro, le code, le truc de valider. Maman, La tu donnes ça à un manipulation. camarade. Il va te dévaliser. Cryptogramme et tout ça là, tu donnes. Mince. Après, on prélève. Quand j'ai fait ça à ma copine là, j'ai pris ses numéros, toutes ses coordonnées là, c'était sur un papier. J'ai déchiré le papier là, j'ai mis dans. J'ai dit beaucoup, ça ne reste même pas dans ma tête. Bon, ça reste pas dans ta tête, sauf que tu as quand même, tu l'as inscrit. J'espère que les gens que toi-même tu as inscrit là-bas, tu leur as expliqué le problème et que tu leur as dit que toi tu n'es plus là-dedans, j'espère. Mais ils étaient les premiers personnes à partir. Non, mais tu as fait comment avec les gens que tu as inscrits là-bas? Elle est partie parce que. Mais j'ai eu des problèmes avec elle. Mais tu Elle, es, moi, elle m'appelait. Elle me moi. dit non, sors-moi de là. Sors-moi de là, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, je n'en peux plus parce que tout le monde me prélève sans je ne sais pas combien. Ouais, j'étais mal. Je dis, Qu'est-ce qu'il faut hein, faire? toi-même, tu as Mais je connu cette comprends même pas. histoire-là Je n'ai où? pas encore atteint le niveau qu'il faut. Je dis bon, il faut que je cherche des gens pour elle. Et une fois que tu auras fait ça, une fois que tu auras atteint le premier niveau, il va falloir que tu recommences pour que tu atteignes le Le deuxième deuxième niveau. niveau. Et il faut que tu Tu reprennes, finis tu le atteignes deuxième le niveau, il faut niveau que encore tu que as tu atteint. recommences pour atteindre le Certains troisième moments, niveau. le cycle ne s'arrête Sinon, jamais. on te Il y a prélève tout toujours le temps. Ou bien, bien Et sûr. on te prélève et on prélève aussi les gens que tu as amenés. Hein? Parce qu'eux, même tant qu'ils n'ont pas atteint leur niveau, niveau par niveau, on les prélève aussi niveau par niveau, par niveau, par niveau. Mais puisque moi, je m'inscris, je dois venir te chercher pour qu'on ne me prélève Mince! pas. Et je dois aller chercher une autre personne. Si je te prends, je dois venir d'abord aller chercher trois personnes. Je prends les trois personnes. Maintenant, toi que j'ai pris, il faut que toi aussi que tu ailles chercher. Et il faut que celle que tu as ramenée aussi, il faut qu'elle aille. C'est comme un travail à la chaîne. Maman, j'ai échappé belle. Je vous ai dit que cette maison-là où on voulait ma mort là-bas. Voilà ça. Quand je vous raconte, vous pouvez penser que je mens. Un voleur escroc. Il est dans toutes les escroqueries imaginables et possibles. Il a dit que lui, hein. Oui, mais sauf que c'est pas lui qui escroque, il Lui, t'a proposé mais un truc. il a voulu m'amener Oui, là-bas. c'est pas lui Il qui a voulu t'escroque, m'amener. Moi, je il parle de lui parce qu'il a voulu m'amener. C'est lui qui a voulu me Oui, mettre voilà. dedans. Hein? Et Avec la apparemment, lui loxé. aussi, on l'a fait inscrire, comme tout le monde, et il lui fallait des gens pour
Ah, il lui fallait les gens, donc c'est moi qui l'a trouvé. Hein. Il lui fallait les gens, c'est moi qui l'a trouvé. Les mamouns sont où? Les PT shots sont où? Les justice shots sont où? Pourquoi c'est moi qui l'ai venu chercher? Hein? Pourquoi c'est moi qui l'ai venu chercher? Non, mais puisque c'est un truc où tu ramènes. Tu commences d'abord par ton environnement le plus proche pour aller rapidement. Ah! Ok. Sauf que les gens que tu ramènes, eux aussi doivent aller chercher d'autres. Parler à leur environnement, aux gens de leur environnement pour ramener, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord. Voilà alors. Donc, voilà alors le genre d'escroquerie dans lequel. C'est comme le. C'est pas comment on appelle ça, le marketing de réseau, là. Donc. Oui! Mais sauf que là, tu donnes tes cartes bleues. Parce que là, c'est pire, hein. Tu donnes tes informations. C'est-à-dire que c'est-à-dire que à qui on donne la carte bleue ici? Est-ce qu'il y a un seul truc où. Mince! Même à la plus petite épicerie, on ne donne pas ça. Même à la petite épicerie à côté, on ne donne pas la carte bleue avec les informations qu'il faut. Pas la carte bleue. Donc, toi, tu es sorti de non, ça. Moi, ils auraient encore pu trouver un autre moyen pour inscrire des gens. Peut-être passant par un lien ou en passant par, moi, je ne sais pas. Mais donner des informations bancaires comme ça, c'est la vie d'un individu. C'est, moi, je sais pas. Et comme on vous avait alors fait miroiter les superbes hôtels et tout ça là. Est-ce que tu as profité au moins de ça? Raconte un peu cette histoire d'hôtel là. Je profite, moi, j'ai profité de rien du tout. Hein? Tu profites des hôtels en fonction de... Ils ont... C'est comment ils appelaient ça? J'ai même oublié le fonctionnement. J'ai oublié parce que ça m'a tellement énervé. On me prélevait l'argent, je réfléchis, je ne sais pas comment sortir de là. En tout cas, ça, moi, je voulais quand même vous dire que voici mais un moi, témoin. J'ai pas profité des hôtels, j'ai pas profité des voyages. J'ai pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas pu aller plus loin parce que il me manquait du monde. Mm-hmm. Et tant que je ramenais pas du monde. J'étais toujours prélevé. Tu étais prélevé, oui. Et puis les personnes que tu avais ramenées pouvaient aussi être prélevées. Donc, ce qui fait que le réseau ne bougeait pas. Après, on a essayé de former une équipe. Est-ce qu'on peut faire progresser une personne et après on fait progresser l'autre? Après, ça aussi, ça a des limites. Et non, j'ai décidé de partir de là. Donc, ça veut quand même dire que... Ça, non, moi, ce qui est là, ce qui est grave, moi, je parle de ça, pourquoi? Après, tu peux gagner de l'argent. Quand? Tu peux gagner de l'argent quand? Qui a gagné de l'argent? Qui a gagné de l'argent? Est-ce que tu as trouvé une seule personne qui a gagné de l'argent là-dedans? Si tu ramènes du monde. Mais il faut que le monde que tu ramènes, ramène aussi du monde. Mais je dis, hein, est-ce que on ne doit pas prendre les cartes bleues des gens? Les cartes bleues des gens, vous n'avez pas, il n'a pas le droit. Comment? Il n'a pas le droit de, vous n'avez pas le droit de prendre les cartes bleues des gens. Moi, ce que je voulais dénoncer, c'est que ce type-là a voulu me mettre dans cette escroquerie en me mettant en lien Zoom avec la Lorsay. Non, tu peux pas. Non, c'est la vérité. Ce que je veux dire ici, hein, c'est que cette histoire d'escroquerie. Hein? Il y a la personne qui m'a contacté, c'est le manipulateur escroc qui a voulu me mettre dedans. Vous avez compris le piège de cette histoire. J'avais dit, il m'a téléphoné avec la Lorsay. J'ai dit que je ne veux pas entrer dedans. C'est comme cela que dans le Zoom qu'il avait organisé dans l'après-midi, puisqu'il m'avait dit que lui, il veut encore qu'une autre personne supérieure à lui nous explique. Il a organisé une réunion Zoom dans laquelle j'ai vu le nom de ce cousin qui est en train de vous parler ici. Quand le Zoom est terminé, donc que cette dame de Paris et avec sa fille qui est à Hollande ont fini de nous expliquer, j'ai donc téléphoné à ce gars, à ce cousin que vous entendez ici au téléphone, qui est dans la région parisienne. Je lui demande que, mais c'est quoi cette histoire? Il m'explique alors le piège, en me disant que, de toute façon, pour que Camara puisse t'inscrire dans ce truc-là, il faut que tu lui donnes tes coordonnées bancaires.
Il faut que tu lui donnes tes coordonnées bancaires. Tu lui donnes tes coordonnées bancaires. Si tu lui donnes, tu lui donnes le numéro de carte bleue, la date d'expiration et le code de confirmation. Et c'est lui qui t'inscrit dans ce truc-là. Vous comprenez, non? Voilà. Donc j'ai dit, quand je lui ai expliqué ça, il m'a dit que non, il faut surtout pas le faire. Moi, je l'ai fait. Mais il ne faut pas que tu le fasses. Ne donne tes coordonnées. Il m'a préservé. Il m'a dit, Amélie, ne donne pas tes coordonnées à camarade. Ne donne pas ta carte bleue à quelqu'un. Même moi, que tu connais bien, je ne peux pas te demander de me donner tes coordonnées de carte bleue. Même s'il fallait que c'est moi qui t'inscrive, je ne te demanderai pas de. Voici ça. Donc, c'est comme ça, alors que camarade. Donc, s'il y a d'autres personnes qui se sont inscrites dans le système, ils sont en train en ce moment d'escroquer les gens. Voilà. Ils sont en train d'escroquer les gens dans ce système. Et je vous dis que moi, camarade m'a parlé de ça après la réunion de Dame Bikoko à Genève. Il m'a dit que c'est dans la réunion de Dame Bikoko, là-bas à Genève, que il s'est inscrit avec sa femme. On leur a expliqué, vous savez qu'ils sont toujours dans des histoires où ils veulent gagner vite l'argent. Ils veulent gagner l'argent sans rien faire. Hein? Voilà. Et que on leur a expliqué ça là-bas à Genève et il est rentré, il s'est inscrit avec sa femme et donc il est venu vers moi rapidement pour que je fasse partie de son réseau dans lequel pour faire grandir, pour qu'il gagne l'argent et les points d'hôtel. Voilà alors le genre d'escroquerie. Voilà le genre d'escroquerie dans lequel ce personnage peut vous entraîner quand vous êtes autour de lui. Voilà le genre de choses où soi-disant un père de famille digne de ce nom est capable de vous entraîner dans une histoire qui, moi personnellement, étant chef d'entreprise, pouvait me créer de graves problèmes avec des personnes qui sont autour de moi. Quand on dit que les gens sont propres, voilà le genre de propreté. Donc je m'interroge. Je m'interroge sur toutes ces personnes qui sont justement autour. Qui est tombé dans le panneau de ce système? Qui s'est inscrit par influence de ce système? C'est-à-dire que les qui se sont inscrits et qui ont entraîné leur famille, leur mari et tout ce monde-là, ils m'ont. Marie, la régie, elle me dit, il faut même que tu en parles à mon beau, hein. Il faut que tu en parles à mon beau. Donc, Marie, la régie, me demande de dire à mon amoureux, comme il voyage beaucoup, qu'il faut qu'il rentre dans ce système d'escroquerie. Hé, Adama! Donc, Seigneur Jésus de Nazareth. Elle me dit il faut même que tu en parles à ton beau, à mon beau. Il faut que lui aussi, il s'inscrive là-dedans. Donc, camarade et Marie, la régie, la rabatteuse, voulait que mon homme s'inscrive également dans leur système pour avoir les coordonnées de carte bleue. Si mon homme était là, j'allais lui demander. Vous allez comprendre que je lui en avais parlé. Je lui ai parlé de ça en termes d'escroquerie, que je ne trouvais pas ça normal. Il allait vous dire que oui, je lui en avais parlé et qu'on a trouvé que c'était un système foireux et qu'il ne fallait absolument pas rentrer là-dedans. Donc, j'aurais donné les coordonnées, mes coordonnées bancaires. J'aurais entraîné mon homme là-dedans. Il aurait donné ses coordonnées bancaires. Maman, je serai où aujourd'hui? Je serai où aujourd'hui? Donc, non seulement. La rabatteuse. Toujours en train de rabattre. Je me souviens. Oui. Dis à mon beau qu'il faut aussi qu'il s'inscrive. Comme il voyage beaucoup, il va avoir de superbes hôtels. Là où je suis à l'hôtel aujourd'hui, c'est le système là qui m'a fait être dans cet hôtel. Je travaille mon argent, je paye cash. Si je vais dans quelque part pour le travail ou pour les vacances, si je n'ai pas d'argent, je pars pas. Si j'ai l'argent, je pars parce que je suis capable de payer ça moi-même. Voilà alors le genre de monsieur propre. Voilà dans quoi j'étais quand je vous dis que je l'ai échappé belle. Vous pensez que c'est la blague? Je l'ai échappé belle. Le dossier d'entremetteur et destructeur de couple mixte. Je reviens la prochaine fois parce que je pense, j'ai vu mon homme passer là tout à l'heure. Il va pas tarder à rentrer dans la chambre. Je reviens avec le dossier d'entremetteur de couple mixte.
la prochaine fois. Je ne sais pas quand. Je voulais vous parler de cette escroquerie d'envergure et vous dire de faire très attention. Très attention, d'accord? Très attention. Quand on fréquente les gens, il faut être intelligent. Si ma tête ne fonctionnait pas, c'est que je ne sais pas où je suis aujourd'hui. D'ailleurs, que ça fonctionne, vous voyez où ils vous ont voulu m'amener. Mais si je les suivais tête baissée, comme certains les ont certainement suivis dans cette histoire d'escroquerie, je ne sais pas où ils sont aujourd'hui. Voilà les gens qui sont propres, qui utilisent les avocats pour aller saboter une entreprise, une marque. Pendant ce temps-là, eux, ils restaient derrière, hein, parce qu'il s'est mis en retrait. Il a donné des fausses balles aux avocats pour que les avocats prononcent le nom de la marque Glutaline, prononcent la société Gluta Cosmétique, et que je frappe ces avocats. Mais je vais frapper ces avocats parce qu'il faut qu'ils servent d'exemple. Il faut qu'ils servent d'exemple dans le sens où ils vont voir qu'une entreprise et une marque, ce sont des choses qui sont protégées par la loi et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec. Ça va servir d'exemple. Donc, méfiez-vous. Faites très attention. Quand vous fréquentez les gens, soyez intelligents. Ne rentrez pas dans n'importe quoi. Je vous dis que si j'avais suivi ce manipulateur, je serais rentré dans le yep minimal. Je serais rentré dans les pété chiottes. Je serais rentré dans ce système d'escroquerie que vous avez entendu ici aujourd'hui. Je serais rentré dans les trois trucs. J'ai refusé de rentrer là-dedans. Je serais même rentré dans le truc de toutes ces femmes gracieuses ou quoi. On me demandait 20 euros. Même dans les femmes gracieuses, j'ai refusé de rentrer là-dedans parce qu'on me demandait 20 euros. J'ai dit que vous me demandez 20 euros d'inscription, que c'est une association, c'est légalisé. Donnez les statuts. À chaque fois, moi, je demandais les statuts avant toute chose. Je demandais les statuts avant toute chose. Vous comprenez? Et quand on ne me donnait pas de statut, je ne rentrais pas puisque j'estimais que ce n'était pas légal. Parce que moi, j'aime quand les choses sont correctes. J'aime quand les choses sont traçables ou quand si j'ai besoin de poser une question, que je sache comment me retourner. Mais les histoires qu'on t'amène derrière, rien. Mais c'est même quoi ces gens-là qui partent de l'Allemagne là-bas, qui viennent toujours faire des choses en France. Je dis, en Allemagne, il n'y a rien là-bas. On ne peut pas faire d'association en Allemagne. On ne peut pas faire d'association en Allemagne. Il y a pas. Pourquoi ces choses-là viennent toujours être faites? Sont toujours, on part d'Allemagne, on vient les faire en France. Ça ne vous interroge pas, vous devrez vous poser des questions. Donc, sachez que quand on est intelligent, on n'entre pas dans n'importe quelle complication de la vie. Parce qu'on respecte les gens, on met toujours l'humain avant l'argent. Et l'entreprise Gluta Cosmétique, sa priorité absolue, c'est de mettre l'humain avant l'argent. Voilà. Et donc, je travaille dur. Et je sais que vous aussi, vous travaillez dur. Et je ne peux pas me permettre d'aller dans des choses, hein, les choses tordues. Parce que on aurait rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux, lui donner du pain à manger et qui vient vous saboter sur les réseaux sociaux pour mal parler de vous et essayer de mettre à mal votre entreprise que j'ai créée de toutes mains. Heureusement que vous êtes intelligent et que vous ne les suivez pas dans leurs choses. Nous avons évolué. Depuis ce sabotage, je vous ai dit qu'on a 12 personnes qui ont rejoint le réseau de distribution de la marque Glutaline. Qu'en France, hein, un peu en Afrique aussi. Donc, nous sommes présents dans 17 pays avec 11 personnes supplémentaires qui vendent nos compléments alimentaires à travers le monde. Donc, le sabotage, nous, on aime ça parce que ça nous apporte Dieu. Ça draine du monde et nous, ça nous permet justement quand les gens arrivent sur ma page, trouvent une professionnelle, adhèrent et on continue. Voilà. Donc, méfiez-vous. La Loxé, escroc numéro 1, en collaboration avec le manipulateur patenté. Voilà. Et tellement manipulateur que il a fait croire à ses pseudo-avocats que il est tout d'un coup devenu, il a pardonné. Alors que c'est un malin. Il sait ce qu'il fait. Il sait que ce qu'il n'a pas pu faire à ses avocats, c'est-à-dire les trimballer en justice puisqu'il a perdu. Le manipulateur sait, il connaît.
Il sait que, comme il a entraîné les pseudo-avocats à dire des choses claires dans leur live qui vont certainement les condamner, il les a envoyés au fond. Et il connaît, il sait que je ne laisserai jamais qu'on sabote mon entreprise ou qu'on parle mal d'une marque qui est une marque déposée. Il savait très bien, j'allais que, il sait que je vais frapper très fort les pseudo-avocats. Donc là où il est là-bas, il jubile. Il jubile parce qu'il sait que lui, dans ses différents trucs, il n'a jamais prononcé ni le nom de ma société, ni le nom de ma marque. Il a laissé le soin aux avocats de faire cela. Il est fort, hein? Il est très intelligent. Mais quand l'intelligence idiote rencontre justement une intelligence humaine comme la mienne, eh bien, ça ne passe pas. C'est pour cela que nous allons nous amuser. Ce n'est que le début. Je vous ai dit qu'on est installé 2024. Quand j'ai le temps, j'amène un dossier concernant notre manipulateur et on débat. C'est tout. Point à la ligne. Donc, mes chéris, je vous embrasse. Je vous embrasse. Je ne vais pas rester trop longtemps avec vous. Hein? Je ne vais pas rester trop longtemps avec vous. Mais ceci étant, je vais quand même, avant de clôturer ce live, avant de clôturer, ne prenez pas, j'espère que vous n'avez pas capturé mes cartes bleues. Hein? Avant de clôturer ce live, le glutathion de la marque Glutaline, breveté, étude clinique qui a prouvé son efficacité, un produit halal kasher, sans sucre, donc adapté aux diabétiques, qui a la capacité d'augmenter ton taux de glutathion de 35% en un mois d'utilisation seulement. Une vitamine C biodisponible à 200%. Aucun de nos compléments alimentaires n'a vraiment, ne sera pas abîmé par l'acidité des intestins. C'est pour cela que ce sont des compléments alimentaires liposomaux. C'est parce qu'ils résistent à l'acidité des intestins et donc ont une efficacité extraordinaire. Glutaline, c'est la seule marque qui vous donne des compléments alimentaires de qualité pharmaceutique. D'ailleurs, nous sommes dorénavant présents dans les pharmacies en Afrique. On a des délégués médicaux, notamment en Côte d'Ivoire, et nous sommes présents également dans des pharmacies françaises et nous continuons à évoluer. Voilà. Donc, si vous avez besoin de nos compléments alimentaires, de nos cosmétiques, n'hésitez pas à prendre le numéro de téléphone de l'une de nos représentantes qui est sur notre page pour la contacter afin de bénéficier des bienfaits santé et beauté de nos compléments alimentaires. Glutaline, c'est la marque qui prend soin de votre santé et de votre beauté pour la vie. Je vous embrasse et je vous dis à plus tard. N'oubliez pas notre rendez-vous VIP. J'allais oublier. N'oubliez pas notre rendez-vous VIP important le 10 février 2024 à l'hôtel Napoléon Champs-Élysées. C'est à côté de l'Arc de Triomphe. Il y a face à cet hôtel, un parking. J'ai des amis qui viennent de partout dans le monde, des glutalovers qui viennent d'Allemagne, de Toulouse, de Bordeaux, etc. Juste pour cette vente privée. Je serai très contente de vous recevoir dans cet environnement privilégié et j'espère vous embrasser bientôt. Je vous embrasse et je vous dis à plus tard.